C'est au nord de Madagascar que se situe l'île de Nosy Be. On l'appelle l'île au parfum, car c'est ici que l'on trouve l'ylang-ylang, cette fleur hors du commun qui a fait la renommée d'un certain parfum. Les hôtels de tourisme en bord de mer offrent ce qui se fait de mieux. À quelques kilomètres de là, le village d'Ambatolup. Il s'étend sur 2 kilomètres. C'est le lieu d'animation nocturne incontournable à Nosy Be. Nosy Be est un véritable paradis, l'endroit idéal pour un dépaysement total. Poursuivons ce dépaysement avec une escale sur Nosy Komba, l'île voisine, qui se situe à 15 minutes de distance en bateau. C'est le refuge idéal pour les lémuriens. Des lémuriens qui vivent à l'état sauvage, mais qui deviennent très vite familiers dès qu'on les appelle pour grignoter quelques fruits. Ces lémuriens qui font le bonheur de tous les touristes sont de la race des lémures kata. On les appelle les makis. Leur queue est annelée, noire et blanche. Les mâles sont de couleur noire. Les femelles sont rousses. Quittons nos sympathiques makis et pénétrons dans la brousse pour d'autres rencontres. Donc ça, c'est un boa bébé qui mange combien de poulets ? Un poulet. Par jour ? Non, par mois. Un poulet par mois ? Une fois par mois. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'il mange ? Quoi ? Et après, qu'est-ce qu'il mange dans la journée ? Non. Il mange pas ? Non. Rien ? Ouais. Des herbes, quand même ? Non, oui. Même pas ? Même. Et toi, il te mord pas ? Non. Ça mord ça, pas ? Non. Pas méchant. Un coin de terre au bout du monde, loin de toute civilisation, où les autochtones vivent de leur savoir-faire. Les femmes font de la broderie avec beaucoup d'idées et peu de moyens. Les hommes travaillent le bois ou la peinture, et là encore, l'imagination ne manque pas, tandis que d'autres, partis tôt le matin, rapportent le fruit de leur pêche. Les enfants sont heureux et se soucient peu du lendemain. Nosy Komba, tout comme Nosy Be et les autres îles voisines, sont des grains de beauté que l'on n'a pas fini d'explorer.